Recherche ici d'un symétrique. On a l'affix d'un point R, ZR est égal à 2 plus 5i. L'affix d'un point L, ZL est égal à 6 moins 4i. Et on recherche l'affix d'un point M, tel que M soit le symétrique de R par rapport à L. Donc, je vais faire ici un petit dessin. Je veux que M soit le symétrique de R par rapport à L. Donc ici, L sera le milieu. Donc M soit le symétrique de R. R est un point. Et M est forcément situé de telle façon ici que L soit le milieu de RM. Je peux écrire une simple égalité vectorielle. Par exemple, le vecteur RL est égal au vecteur LM. Mais j'aurais pu aussi écrire que le vecteur RL est égal à 1 demi du vecteur RM. Mais ici, je préfère ne pas traîner de coefficients fractionnaires. Donc, si je passe au complexe, ça me donne ZL moins ZR est égal à ZM moins ZL. Donc, je transpose ici moins ZL et j'obtiens ZM, la fixe de M, est égal à 2ZL moins ZR. Je remplace simplement. Donc, ZL, je l'ai dans l'énoncé, c'est 6 moins 4i, moins ZR, c'est 2 plus 5i. J'obtiens, donc 2 fois 6, ça me donne 12. 12 moins 2, ça me donne 10. 2 fois moins 4i, moins 8i, moins 8i, moins 5i, moins 13i. Conclusion, j'ai trouvé ZM est égal à 10 moins 13i et les coordonnées éventuelles du point M correspondant à cet affixe, 10 en abscisse et moins 13 en ordonnée.